Dieu merci, si vous en là. Si vous en là, si vous en vont bien, c'est bon. Allô, allô. Aux aéris du soir, à ferrage. Les lions, les lions, les panthères, les abeilles, tout le monde, venez. Ah, maman Simon, elle est boue. Ah, viens, caillot, non, qui est. Elle est boue. Décimon, babo, non, qui est. Ah, viens. Aujourd'hui, on mange comme un crac-crac, comme les femmes ghanéennes. Ah. Les femmes ghanéennes à Trècheville. Crac-crac-crac. On a la victoire. Ah. C'est nos bouches là. Ah. Il y en a qui disent que nous on insulte. Mais quand on insulte Simone Gbagbo, là, ils applaudissent. Mais c'est pour nous là, on dit qu'on insulte. Aïe. C'est Boussal qui appelle Boussal. C'est bouche sale qui appelle bouche sale. Oui, bouche propre appelle bouche propre. Venez, venez, les abeilles. C'est pas forcément ceux qui font les vidéos. Il y a froid, hein, famille. Si je n'avais pas froid, là, il y a l'air gaspillé un peu. Ça, c'est vraiment. Il y en a même qui ont chanté pour la poclée là, et puis ils ont effacé leur CD. Ils ont chanté pour la poclée là, on dit ils se sont trompés. Ils ont enlevé le CD sur le marché. En tout cas, il a déjà le morceau même. Ouais, avec le style, hein. Ouais, c'est pas là, à la chocolat. Ah. Allô, 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 allô. Quand il entend la partie là, jusqu'à Dodo qui danse pas là, il a dansé ça aujourd'hui. Ah. Elle est beau, vieux, caillot, non, qui est. Non, non, la voix est là, quoi. Ah, Attendez, moi, mon chewing-gum, comme les femmes ghanéennes à Trècheville. Ils ont trois clients, 10 clients, leur bouche à sa salon jusqu'à fatiguer. Les femmes ghanéennes à Trècheville. À côté de la maison là, nous on est au balcon et puis on compte les clients qui rentrent dans la maison. Eh, on a vraiment pour nous aussi. Hein? Jusqu'à un jour, il y a une Ghanéen qui m'a attrapé. Parce que je comptais ses clients. Les clients qui rentrent là, je les comptais. Parce que la maison. Il y a une Ghanéen qui m'a attrapé. Le chewing-gum là, elle mange au moins un paquet et puis ça fait crac, 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 tous les sons pour attirer les clients. Ah ouais, Simon Gbagbo, d'ailleurs, non, qui est. Après ça, j'arrête. Hein, ma soeur Choum, c'est la vérité, elle a très suivi là.
Leurs blancs maisons là sont alignées comme ça. Et puis, leurs mini là, même, ça ne m'a même pas. Maintenant, moi, je suis au balcon et puis je compte les clients qui rentrent là. J'avais ma feuille. J'avais ma feuille. Appelez les gangs. Ouh. Ah oh, vieux, quand on nous reconnaît. Ah, merci mon frère. Bisous là-bas. Aïe. C'est enfant de Oma ou bien? Attendez, je vais faire cracra, mais ça ne veut pas. Aïe. Je vais faire cracra comme les femmes ghanéennes, là, mais ça me fatigue depuis là. Le travail est dur, hein. C'est comme les gens qu'on paye pour venir insulter, là. Et puis le travail est dur, mais ils insultent quand même. Ah! Le travail est dur, mais ils insultent quand même. Ils voient le travail, là, c'est pas bon. Mais ils insultent quand même. Mon frère Benzo Bandai. Benzo, tu te rappelles des femmes ghanéennes là, hein, au pays là. Les femmes ghanéennes qui mangent comme à quoi ça y est, comme aujourd'hui là. Quand Et puis le chien fait crac, 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 tous les bruits. Le client même au bout là-bas, là, et puis il entend. Donc, famille, qu'est-ce que je faisais? Chez mon grand-père, là, c'est un étage. Et puis je suis en haut, là, et puis je les regarde, j'ai ma chaise. Non, non, j'avais un petit tabouret comme ça. Et puis je m'assois. Quand je m'assois, là, hein? Je m'assois au balcon là, elle ne me voit pas hein, parce que je mets un pain pour me cacher. Donc quand je mets le pain, oh mon frère Pierre Babi, chapeau, l'homme fort. Bonsoir mon frère Pierre Babi. Donc quand je suis au balcon là, non, et puis je mets mon pain pour me cacher. Maintenant j'ai ma petite feuille. Il y a une là, la plus belle des tchouins là, la plus belle là. Et puis c'est elle seulement, moi je regarde. Maintenant, je prends note. Quand un rentre, je compte. Deuxième rentre, je compte. Jusqu'à... Un jour, elle m'a attrapé. Le matin, j'ai passé ma part. Elle dit, toi là, elle est français là. Elle dit, toi là, hier là. Toujours, tu t'assois là-bas et puis tu comptes. L'homme a fait pour lui aussi des... Il y a froid aux familles. Bonsoir, bonsoir. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. Il n'y a rien de spécial. C'est juste une causerie du soir. Voilà. Il y a un certain conné. Les abeilles. Voilà. Les abeilles, là. Les abeilles, là. Hein? Les filles de Saïwa. Elle dit à M. Kone qui a calmé quelqu'un. Attendez, il y a le chingom là, le travail est trop dur. Il ne faut pas émoyer ma langue ici. Le travail est trop dur. Il ne faut pas émoyer ma langue au chingom. Voilà. Donc, les filles de Saïwa disent, il y a M. Kone qui a dit à l'insulteuse de ne plus parler, de dire Kone seulement. Ah, c'est qui, oh? La vie de Saïwa, c'est qui, oh, monsieur Kone? Monsieur Kone, lui-même qui calme, là, il est où? Maintenant, il y a certains, là, oui, il y a certains qui viennent dire que nous, nos goûts sont sales, nous, on insulte, mais attendez, ça fait deux ans,
Ça fait 2 ans que ça dure. 2 ans. C'est pas 2 jours, hein. 2 ans que Alex a été insulté cette femme-là. Ça fait 2 ans. Elle est sur elle. Vous la voyez pas? Je sais pas, monsieur Kone là aussi, il était où? Et puis c'est maintenant il sort. Je sais pas, ce monsieur Kone là, il était où? Et puis c'est maintenant là il sort. Si je le connaissais là, j'allais demander. J'ai dit, mais depuis là-haut, tu étais où? Et puis c'est maintenant là tu sors. Ça fait 2 ans quand même. 2 ans. Jusqu'à les lagues fétiches, ils prennent ça pour faire vidéo. Lagues fétiches prend ça, il fait vidéo. Moi-même, il me prend. Lagues fétiches, il me rend star en ce moment-là. Lagues fétiches me rend star. Oui, il me rend star. Parce que quand il met ma vidéo là-bas, là, je suis en jaillé. Je dis, donc il y a quelqu'un qui me rend star. De toute façon, il est suivi là. Et puis, il met ma vidéo. Et puis, les gens m'insultent. Et puis, il dit, ouais, je suis devenu star comme ça. Oui, nous autres, si on nous insulte là, il n'y a pas de problème. Nous autres, là, moi là, si la dit fétiche à mi, et puis on m'insulte là, je n'ai jamais été première dame. Je n'ai jamais gouverné pays. Donc si on m'insulte là, ça ne fait rien. Oui, ça ne fait rien. Mais c'est cette digne femme là, elle ne mérite pas ça. Pendant que vous passez votre temps, là où l'orignon paye pour insulter, il y a 500 quoi, l'ami de son mari, elle-même son ami, connaissance de longue date, qui est mort. Qui est mort. Aujourd'hui, là, elle était sur sa tombe. Aujourd'hui, là, elle est partie sur son cercueil. Pendant ce temps, l'Odel Lorugnon paye les criquets pour nous insulter, pour insulter cette première dame. Faut pas jamais me mettre dedans. Parce que moi, là, si on m'insulte, là, moi-même, me lave avec. Ma jumelle, plein de bisous pour toi. Oui, son acquis, la digne femme, plein de bisous là-bas. Bisous pour tout le monde. Pour moi, là, moi, si on m'insulte, là, ça fait quoi? Regardez Simone Gbagbo, vous n'avez pas pitié d'elle. Vous n'avez pas pitié d'elle. Merci, ma jumelle, pour le partage. Vous n'avez pas pitié d'elle. Et quand on parle, il y a certains qui disent oui. Que nous, nos bouches sont sales. Il y a un là-même, là, je ne sais pas, il est quitté sur quelle planète. Il m'envoie un message. Que oui, toi, ta bouche, ma bouche là, hein, c'est bouche sale qui appelle bouche sale. Bouche propre appelle bouche propre. Oui. Maintenant, les filles de Saïou ont parlé d'un certain Kone. Mais je ne sais pas si le Kone là, il était où, et puis ça fait 2 ans, on est dedans, on se débat, ça ne finit pas. Kone là, tu étais où? Toi aussi, hein, tu as duré, hein. Hein? Elle est seule, le travail est dur, mais elle vient pâle quand même. Le travail est dur, mais elle vient, elle insulte une mère de famille et puis elle est heureuse. Mais la lutte continue. C'est pas parce que M. Kone dit de dire M. Kone et puis on va arrêter. La lutte continue, on continue, on lâche pas. Parce que cette histoire-là, cette histoire d'insulter Simone Gbagbo là, ira loin. C'est pas comme une fois, on a bavardé, et puis ça s'est arrêté là. Cette histoire-là ira loin. Si les filles de Simone Gbagbo, elles n'ont pas eu le courage d'aller déposer une plainte, nous, on ne dépose pas plainte. Mais la lutte continue. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Si elle veut qu'elle dise que non, elle ne fait plus vidéo, elle ne parle plus, elle ne fait pas, ça, ce n'est pas notre problème. Mais notre problème là, ça doit, on doit continuer le combat. Parce qu'elle est capable de sortir à tout moment. Elle est capable de sortir à tout moment. Donc, la lutte doit continuer. On doit continuer de parler. Ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'elle arrête de parler que nous aussi, on va arrêter de parler. Moi là, je suis prête pour ça. Oui, certains Ivoiriens, hypocrisie va les tuer, ma jumelle. J'ai froid, hein? On dirait qu'il y a un petit rhume là qui veut me prendre. Il a mis mon truc là où même. Hypocrisie. L'hypocrisie va les tuer. L'hypocrisie. Mais vous tous, on a vos captures d'écran. Même si vous changez de Facebook, même, on va savoir que c'est vous. Vous êtes méchants.
Vous êtes méchant. On prend une femme, on l'expose pour rien. Si au moins c'est quelque chose qu'elle a fait, d'accord, mais pour rien. Pendant ce temps, là, du fétiche, mec, qui prend la vidéo là, hein, dans les zate, et puis il parle là. Moi, je dis, c'est pas la faute à là, du fétiche. C'est pas de sa faute. Quelqu'un même qui est sur Facebook, il s'ennuie, et puis il cherche sujet là. S'il y a sujet, hein, si sa soeur RDR est venue avec sujet, il va prendre. Puisque elle-même, elle est RDR. Oui, Alain Zaté est RDR. Si elle n'était pas RDR, là, elle ne peut pas avoir comportement ça. Insulter une digne femme. Pendant ce temps, celui-même qu'on appelle Drama Ouattara, qui est président de la Côte d'Ivoire, là, lui n'a même pas d'enfant avec sa femme. Il n'a même pas d'enfant avec Dominique. Dominique a eu ses enfants avant de le trouver. Maintenant, lui-même, là, un enfant, mais il n'a pas ça avec Dominique. Le monsieur que vous applaudissez, là, lui-même, là, qui dit qu'il est ivoirien, de Côte d'Ivoire, là, hein, sa femme, là, ils n'ont même pas un enfant. Un seul enfant, ils n'ont pas. Pendant ce temps, tu regardes les enfants de Simone, là, même, là, c'est Gbagbo tout craché. Et l'Adi Fétiche prend ça, il prend, et puis il parle. Est-ce que c'est la faute de l'Adi Fétiche? C'est pas la faute de l'Adi Fétiche. Moi, je peux pas répondre à l'Adi Fétiche. Tout ce que moi, je suis où je suis contente de l'Adi Fétiche, là. Il prend ma vidéo et puis il me rend célèbre. Oui, hey, à ce moment-là, je deviens star, ouais. Il vous l'a dit, fétiche, prends moi, ma tabac. Moi, je suis qui? Il prend ma vidéo et puis il s'en va montrer. Et puis les moutons là m'insultent. Et puis quand ils m'insultent là, je suis enjaillé comme ça. Oui? J'ai vu mes injures là-bas, j'étais contente. J'ai dit, hey, l'a dit, pardon, faut toujours mettre mes vidéos. Parce que depuis, on m'insulte pas. L'a dit, pardon, je vois les écrits là. Un jour, oh, regardez comme elle est. Nye, 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 nye. Puis moi, je suis contente comme ça. Ok, ma fille, Nadège Balou. Il a dit fétiche mes mains. Et si quelqu'un veut parler là, c'est causerie du soir. Hein? Voilà. C'est causerie du soir. Vous pouvez appeler, on va causer un peu. Parce que là, la toile était trop mouvementée. Ma jumelle, si tu veux appeler, appelle. On va parler. Si tu as quelque chose à dire, appelle. Je te dis, épouse légale, il y a des gens, ils ont chanté pour Nadi avec ses fesses remplies de caoutchouc là. Ils ont chanté pour elle. Et puis leur CD là, hein? Ils ont dit aux gens d'effacer vite, vite. Eux, CD ça là, ils ne peuvent pas faire sortir. Sinon, les Ivoiriens vont les manger crus. Sinon, les Ivoiriens vont les manger crus. Le CD là, jusqu'à aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Si elle est importante là, pourquoi ils n'ont pas pris le CD là? Quand on était à La Haye, le 6 février, moi-même, j'ai failli acheter le CD. Mais quand ils m'ont dit, ils ont chanté le nom de la Boclée là. J'ai dit, moi, CD ça là, même si on dit c'est 1 €, je ne peux pas payer. Je ne l'ai pas pris. J'ai laissé rapidement. Heureusement qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'a dit, est-ce que tu as écouté le CD? Il dit, non, il dit, il y a le nom de la Boclée là-dedans. Il y a le nom de celle qui prend mari des gens et puis elle fait parler de ça là. Il y a son nom dedans. Il a dit, hein, c'est ça là, moi j'allais partir chez moi avec pour mettre la poisse dans ma maison. Ma maison où tout va bien en ce moment là. Il est venu avec le CD là et puis la poisse va rentrer ici. Donc, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Même si elle dit, elle signe abandon, elle peut plus parler là. Nous, on va parler. On va continuer de parler. C'est trop facile, monsieur Kone va dire, dites Kone, et puis elle se tait. Elle peut pas se taire. Si elle peut plus parler là, hein, les boclés professionnels qui sont sur sa vidéo, qui l'applaudissent, elles n'ont qu'à sortir, elles vont parler aussi. Pourquoi c'est elles ceux qui parlent? Toi, tu es dans quelque chose. Et puis, c'est toi seul qui insulte. C'est toi seul qui parle. Les autres ne parlent pas. Et puis, ça ne te dit rien. Les autres, là, ils écrivent seulement pour t'encourager. Et puis, tu es heureuse. Tu ne vois pas que c'est un piège. Tu ne vois pas que ça ne va pas. Toi, tu es maman jusqu'à tu es grand-mère dedans. Tu es maman, tu es grand-mère. Et puis, quelqu'un d'autre va te dire, va faire ça, va insulter. Et puis, tu insultes. Hé!
Quand même, hein. Il faut être toi pour faire ça, quoi. À l'aise à te. Il faut être toi pour réagir comme ça. Je n'ai jamais vu ça. On a fait un combat hier où toi-même tu as parlé de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo. C'est la même Simone Gbagbo. Là, toi, tu viens insulter. Il a dit, moi, là, s'il y a un problème avec toi, là, prends-moi, frappe-moi. Mais les injures, là. Mais comme on est sur Facebook, si tu m'as insulté là, sur Facebook, il n'y a pas de problème. Mais une première dame, tu as insulté jusqu'à sa maman. Sa maman même qui est morte, on ne sait pas en quelle année. Sa maman est morte, celle-là. Tu l'as insulté pour mettre dessus. Ah, même si on dit le fume, le truc là, on fume ça par l'anus là. Mais attends. Même si on dit on met dans l'anus même pour fumer là, c'est pas comme ça. Une grande femme qui a souffert. Ah, ma soeur, tu es courageuse aussi d'être. Tu es courageuse même. Ton courage là, je ne sais pas où tu es allé prendre ça, mais tu es très courageuse. Je ne sais pas où tu es parti prendre ça. Moi-même, autrefois là, il y a une, elle a commencé à mentir sur elle a commencé à insulter Maïli. Dans insulter Maïli, là, je ne sais pas où elle est partie prendre ses informations, une aide. Pour rien, elle a insulté maman. Mais je me suis assise 2 jours sur elle ici. Je me suis assise 2 jours. Je dis 2 jours pleins. Quand je me suis assise là, c'est un mec qui a fait une vidéo pour demander pardon. Quand elle veut savoir où la vieille, elle va aller lui demander pardon. Parce que je me suis assise 2 jours. J'ai dit, même s'il fallait m'asseoir tous les jours, j'allais le faire. Mais comme elle a fait une vidéo, et puis elle a dit pardon, et elle dit vraiment, tant, j'ai dit, oh, ça là, on va faire quoi? Mais quand elle est athée, elle est sortie au foie. Si quelqu'un veut intervenir, la personne peut m'envoyer une invitation. Quand Alain Zaté a fait son semblant de pardon autrefois, on a dit que c'est un semblant de pardon. Forcé, elle allait sortir. Forcé, elle allait sortir. On a dit ça ici. C'est un semblant de pardon. C'est pas elle qui est sortie. Son retour là, mais c'était pire que le premier. C'est quoi ça? Avec ça, nos enfants sont morts. Hein? Et ça, toi, tu dis, tu vas aller en Côte d'Ivoire. Pas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens même t'attendent. Ils t'attendent là-bas. Ils t'attendent. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ce n'est pas du tout gentil de ta part. Tu es une femme. Hein? Tu es une femme. Et tu te comportes comme ça? Ah, on a dit ici au foie, son pardon n'est pas sincère. Effectivement, le pardon n'était pas sincère. Le pardon n'était pas sincère. Naomi veut t'aider. Merci pour ta vidéo, ma grande soeur. Merci pour ta vidéo. Tu as frappé où il ne fallait pas frapper. C'est quoi ça? Moi, mais il y a des gens, certains de FPI, mais beaucoup m'ont appelé ici. Et ils voulaient le numéro de Naomi, j'ai donné. Hein? Pourquoi? C'est quel courage ça? Les gens t'applaudissent. Ceux qui t'applaudissent, ça. Et ils t'applaudissent, hein? Mais ils ne peuvent pas insulter Simone Gbagbo. Ils t'applaudissent. Mais ils ne peuvent jamais faire vidéo pour insulter Simone Gbagbo. Mais c'est toi, tu es courageuse. Parce que toi, ton pourquoi là même là? Je ne sais pas comment tu as pris ça et tu viens t'exposer comme ça. Ah, tu as eu combien pour ça? Julie Gota, Adiakona, ma soeur, j'espère que ta santé va un peu mieux. C'est quel courage ça là? Et ça là, on va nous dire, il y a M. Kone qui a dit de dire seulement Kone et puis on va laisser, on ne laisse pas. Ça là, on ne laisse pas. Même les législatives là, nos yeux sont sur eux. Malgré que nos yeux soient là-bas là, mais on va continuer aussi avec elles. Ça ne peut pas finir un coup comme ça. La façon, le monde entier, elle a humilié cette femme là.
C'est pas possible que nous, là, on nous dise que oui, c'est fini et puis t'entends. Non, non. Parce que c'est le même comportement, là, ils ont eu en Afrique du Sud. Pour casser Nelson Mandela, là, avec sa femme, là. C'est le même comportement. Et puis toujours, ce sont les négros. Les négros vilains, vilains, là. C'est eux, on utilise toujours pour faire des bêtises comme ça. Tous ceux qui veulent les séparer avec leur femme, là. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est toujours comme ça qu'ils procèdent. Il y a ma jumelle même qui m'a dit ce soir, Clémence Broua, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma fille. Il y a ma jumelle même qui m'a dit, Oufoué Boigny, Oufoué, le papa, le grand-père Oufoué aussi, il a failli avoir ce problème-là. Il a failli avoir ce problème-là. Où il avait une autre femme qui insultait Thérèse, maman Thérèse. Donc, il a fallu les femmes se lever pour que ce problème-là, ça finisse. Sinon, ils allaient s'asseoir. C'est la même chose-là. Ils sont en train, ils font. C'est la même chose-là. Seulement pour chose, comment il s'appelle là, pour Nelson Mandela. Ils n'ont pas mis Tisa sur lui. Parce que quand c'est comme ça là, ce sont les Tisa là, ils mettent toujours sur les gens. Pour les séparer. Parce que quand ils voient que la femme est forte là, comment faire pour les séparer? Eux là, ils ont peur de Simone. Ils ont plus peur de Simone que Gbagbo. Donc il faut casser Simone. Elle pense que en jouant ce vilain rôle, ce sale rôle-là, elle pense qu'en faisant ça, ça allait casser Simone. Simone a vécu pire que ça. Simone Gbagbo a vécu pire que ça. Donc ça, là, c'est rien devant elle. Moi, je pense que ça, là, c'est rien devant Simone Gbagbo. Donc, tu t'es sali, tu t'es mis sur la toile cadeau. Pour combien? L'argent qu'on laisse pour mourir. L'argent là, on laisse ça et puis on meurt. Celle qui est à Bruxelles, ses fesses remplies de caoutchouc là. Pourquoi elle ne se monte pas? Pourquoi elle joue le sale rôle, elle ne se monte pas? Si elle est forte là, si Nadi Bamba est forte, elle a le faux Facebook. Pourquoi elle ne se monte pas? Il y a certains qui disent que, est-ce que c'est vraiment Nadi Bamba? Est-ce qu'elle connaît Nadi Bamba? Elle connaît Nadi Bamba. Parce que toi, Nadi Bamba là, moi, quand on peut pas citer mon nom sur la toile, m'insulter, me dire des choses, et puis je réagis pas. Si je réagis pas, c'est que c'est moi. Parce que Nadi Bamba, là, elle peut quand même faire un post. Si Alès Zaté sort, et puis elle ne connaît pas Alès Zaté, et puis elle a plein de faux Facebook. Elle a son Facebook qui est Nadi Bamba, mais elle a d'autres Facebook qu'elle prend pour venir sur nos vidéos. Peut-être même en semaine, elle est sur ma vidéo. Si Nadi Bamba, elle sait que elle là, c'est pas elle qui a envoyé la lettre là. Mais Nadi Bamba peut faire un post. Ou bien si elle a un avocat, ou bien si elle a quelqu'un, va démentir ce que les gens disent, c'est pas moi qui l'envoie. Pourquoi elle ne fait pas ça aussi? Si on ne le dit pas, c'est que c'est elle. Oui, c'est elle. C'est que c'est elle. Parce que moi, les gens ne peuvent pas dire des choses de moi, et puis je suis assise, je ne dis rien. Ah! Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans, on est dedans. Ça fait 2 ans. Quand elle commence, après elle se calme, elle revient encore. Parce qu'elle a dit, c'est sa maman qui est Nadi Bamba. Alors qu'elle et puis Nadi Bamba, là, si on vérifie, là, elles ont le même âge. Ou bien même peut-être qu'elle est âgée que Nadi Bamba. Mais elle dit que sa petite maman. Donc, hier là, tu es sorti pour quoi? Pour Simone Gbagbo. Tu as porté les t-shirts de Simone Gbagbo pour quoi? Tu as crié libérer Simone Gbagbo là, c'était pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi hier là, on était ensemble et tu criais libérer Simone Gbagbo, on va dans les coins là, les voyages là, tu organises et puis on a les pancartes de Simone Gbagbo là, les pancartes de tout le monde et puis on crie libérer Simone Gbagbo. Donc pourquoi tu as fait ça hier? Et ta camarade femme te paye, va insulter, et puis toi aussi, tu viens, et puis tu te montes. Elle n'a pas encore fini. Hein.
Ne pensons pas qu'elle a fini. Elle n'a pas encore fini. Elle se repose. Elle n'a pas encore fini. Je te jure, ma jumelle, elle n'a pas encore fini. Elle n'a même pas encore fini. Ne pensons pas qu'elle a fini. Elle n'a pas encore fini. Elle n'a pas encore fini. Parce que le même jeu là, elle a joué 100 fois. Un semblant de pardon, son pardon là. Même quelqu'un, il faut, peut-être que si tu n'es pas intelligent, c'est là que tu vas croire que c'est un pardon. Mais son pardon là, moi-même j'ai écouté, son pardon n'était pas sincère. Son pardon n'était pas sincère. Mais la lutte continue. Moi, tout ce qui me fait mal, je suis en Angleterre. Si moi j'étais à Paris là, c'est pas que je vais aller la prendre pour la frapper ou quoi que ce soit. Mais on allait organiser des choses. Depuis, ça fait bientôt 2 ans, on est dedans, peut-être même 2 ans. Oui, ça fait 2 ans, parce que Sonaki même avait fait une vidéo à l'époque. Tout le monde avait fait des vidéos. On allait organiser vraiment des choses, parce que ce qu'on est dedans là, si on ne se bat pas là, hein, si on ne se bat pas là, la suite là, c'est pas bon. Si on ne se bat pas pour Simone Gbagbo et puis Gbagbo là, la suite là, c'est pas bon. Parce que c'est la mission de la France qu'elle joue. C'est la mission, parce que Nadi Bamba est en mission de la France. Donc si Nadi Bamba l'envoie, ça veut dire que c'est la même mission de la France. Quand Nadi Bamba, elle ne peut pas se montrer ou bien envoyer un de ses parents, voyez Dinko Junior là. Dinko Junior, lui-même qui chante que lui, il est le frère de Nadi Bamba là. Pourquoi lui ne fait pas des vidéos pour venir insulter Simone Gbagbo tous les jours? Lui, Dinko Junior Bamba, il a mis Bamba sur lui. Mais les gens disent qu'elle et lui, mais ils ne sont même pas parentés. Mais comme ils aiment l'argent, ils sont fans d'argent, il faut se la jouer. Lui, il a l'argent et puis il cherche maison pour dormir. Nadia assis sur l'argent et puis lui, il cherche maison pour dormir. Parce que quand toi, tu dis que tu es proche de Nadi là, mais tu dors dans les châteaux, tu ne peux pas chercher une maison pour dormir. Moi, si je dis je suis à Nadi, je ne peux pas louer chambre chez quelqu'un. Je ne peux pas chercher à dormir chez quelqu'un. Je m'en vais là-bas, ça ne va pas et puis je cours. Ça, Nadi, elle va m'acheter une maison. Oui. Ou bien lui, il est moins cher. Quand on les voit là, on sent même ce quel genre de personne. Pourquoi vous faites ça? Vous ne voyez pas que vous mettez la Côte d'Ivoire en retard? Vous ne voyez pas que vous nous mettez en retard dans nos combats? Hier, on s'est battu où Bédié a déposé son veto là. Hein? Les soi-disant opposants qui sont en Côte d'Ivoire là. Eux aussi, jusqu'à il y a les Nelson Mandela parmi. Il y en a là, et ils parlent là, c'est Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela n'a pas fait ça. Nelson Mandela n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Peut-être quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, là, il peut croire à cette histoire de Nelson Mandela de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas croire à ça. Nelson Mandela n'a pas fait ça. Parce que ce truc qu'on est dedans là, Bédié avait mis son cahier, il a déposé son cahier sur la table. Bédié dit, voilà moi mon veto. Vous avez fermé la bouche de Bédié. Soro Dio même là, Soro Dio mais rebelle, Soro Dio mais ceci, Soro Dio mais cela, Soro Dio dit, lui se mélange pas avec Ouattara. Maintenant, vous qui n'êtes pas des rebelles, pendant que nos parents sont en exil, pendant que d'autres sont en prison, pendant que ça ne va pas, vous partez, vous ajoutez à Ouattara. Et vous n'êtes pas encore rebelles. Hein? Vous n'êtes pas encore des criminels. Hein? Ils ont coupé la tête de quelqu'un pour faire ballon. Malgré ça, vous sautez la tête là pour aller faire législative. Législative là, ils ont déjà fait. C'est le jeu ils sont en train de jouer. Tous ceux-là, hein, ils ont le cahier de la France. Vous ne voyez pas que c'est la France qui les intervive toujours. Vous ne voyez pas que la France, là, tout ce qu'ils font là, c'est la France. Hein? Tout ce qu'ils font là, c'est la France. Vous ne voyez pas, leur cahier, là, c'est la France.
Leur carnet d'adresse là, c'est la France. Sinon, sans la France, ils vont aller où? Alors que le pouvoir est au peuple. Tu m'as déjà accepté. Hein? Ouais. Tu me vois, non? Salut à tous. Bonsoir, Majou. Soyez tous allés. Vous claque tous le bisou, hein? Depuis vos positions. Aussi le bisou. Merci pour le direct. Je n'ai rien compris tout ça. Tu as fait plein de directs là. Comment dirais-je? Audio, et tu coupais. Ça ne marchait pas bien ou quoi? Tu avais un problème de c'était le réseau. D'accord. C'était le okay, réseau. Bon. J'étais allée pour aller voir. Elle dit, mais attends, elle a quel souci? Elle la majumée, elle a quel souci? Bon, soyez tout ça. J'étais dans la cuisine, non? En fait, dans la cuisine, il y a un problème de réseau là-bas. Bon. On est encore dans la chose. Hein. Le délai, normalement, c'était aujourd'hui. Hein. Donc, jusqu'à demain. Mais apparemment, on dirait que c'est... Je me demande si c'est rentré, mais je ne crois pas. Parce que cette histoire de Maman Simone, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis près de... Plus de 3 ans. Oui, 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle a commencé. Qu'elle a commencé à insulter Maman Simone. Et voilà. Au début, les gens ne réagissaient pas. Les gens réagissaient un à un, et puis voilà, à la fin, nous, on a dit, ben non, on ne peut pas la regarder comme ça, et puis on a tous réagi. Mais pour aujourd'hui, la façon c'est arrivé là, franchement, moi, je ne sais pas dans quoi cette femme-là se trouve. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle gagne en faisant ça, mais franchement, je pense bien que elle doit être vraiment, vraiment payée cher pour mettre sa vie en danger comme ça. Elle doit vraiment être payée cher. Parce que moi, sur la qui, franchement, même si on me donne même un immeuble, je ne peux pas faire ce qu'elle fait là. Je ne peux pas. Parce que ma conscience va me gronder et puis, voilà, je vais me sentir sale en fait. Parce que quand on voit de la manière dont le combat a été mené, le combat de Babo Laurent a été mené dans la diaspora ici, c'était les femmes comme les Alette Zaté qui étaient devant. Tu as vu comment elle était dynamique dans... Dans le combat, auprès de Wouli Blanc, qui s'est positionné à côté d'elle? Personne. Elle monopolisait tout. Mm-hmm. Elle occupait tout l'espace pour ne même pas laisser quelqu'un être plus devant qu'elle. Maintenant, vous que hier, vous avez fait collecte de paille pour aller remettre à Maman Simone Gbagbo à sa sortie. Tu te rappelles, non? Oui. Les femmes là ont payé paille hollandaise jusqu'en 50 euros. Les femmes là ont donné ça jusqu'en fatigué. Beaucoup de paille comme ça. J'espère que vous avez vraiment donné les pailles là. Hein. Parce que avoir vos comportements aujourd'hui, là, moi je peux douter. Hein. Est-ce que les pailles là sont arrivées chez Simone Gbagbo? Ah, est-ce que les pains que les femmes là ont cotisé là, les pains là sont arrivés chez Maman Simone? Moi je me pose la question. 50 euros. Est-ce que c'est arrivé, cotisation que les femmes ont cotisé pour pain là? Parce que moi je me rappelle, tu te rappelles où on était allé à Trocadéro? À la sortie, les femmes là venaient donner aux Landais comme ça. Willy va déposer ça sur son épaule. Tu te rappelles non à Trocadéro là? Oui, je me rappelle. Est-ce que moi, il y a quelque chose de manqué donc, là-bas? Donc, tout ça, là, c'est assez triste aujourd'hui. Pardon. Assez triste aujourd'hui, on voit cette même dame-là. Toi, que hier, là, tu étais au charbon, là. Au charbon. Tu étais au feu. Au feu même. Tu brûlais. J'ai agi. Aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. On ne te reconnaît plus. Tu ouvres ta bève, là, comme si tu ne pisses pas. Oui. On dirait qu'il n'y a pas de dents dans sa bouche. Tout sort comme ça. On ne doit pas rester. On ne doit pas rester. Parce qu'il y a des gens qui veulent. Parce que les vidéos, c'est parce qu'on n'a pas envie de les repartager. Ce sont les vidéos qui datent de depuis 3 ans. Moi, je les ai. Hein. Moi, je les ai, les vidéos. Je les capture, j'ai tout. Hein. J'ai les vidéos d'Alex Zaté où elle insultait le con de la maman de Maman Simone. Là. J'ai la vidéo. Où elle a insulté Maman Simone pour la première fois. J'ai la vidéo qui date de 3 ans. J'ai ça. J'ai archivé. Parce que les gens qui sont comme ça, là, quand ils parlent, là,
il faut prendre, tu vas mettre à côté. Même cette vidéo de avant-hier ici, là, j'ai mis tout ça là, à côté. J'ai tout archivé. Ça est là. On ne sait jamais. Quand ça va la prendre là, quand elle avait fait la dernière fois là, elle a demandé pardon. Quand tu demandes pardon, mais c'est pas pardon, pardon. Maintenant, tu reviens, vous venez faire la même chose encore. Parce que quoi? Parce qu'elle n'a personne. Oui, et puis, parce que les enfants de maman Simon n'ont pas envie de déposer plainte. Si j'étais à la place de maman Simon là, j'allais déposer plainte contre Alex Athé. Ben, juste après, du contraire, quand elle parle là, elle dit ma maman, ma maman, ma maman. Mais elle n'est jamais venue nous dire que c'est Nadie Bamba qui m'a envoyé. Elle nous a jamais dit ça dans ses vidéos. Donc, quand c'est à la place de maman Simone ou de à la place de ses filles-là, on allait déposer plainte contre Alex Zaté. Ils n'ont qu'à déposer plainte contre elle-même. Déposer plainte contre elle. Et puis là où ça va arriver, là, on va voir où ça va arriver. Comme ça, la personne qui l'emploie, là, la personne sortira. C'est parce qu'ils savent que quand les choses se passent comme ça, là, chez nous, les Noirs, là, on a tendance à laisser les choses comme ça, cadeau, 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 cadeau. Quand tu n'as rien comme nous autres ici, tu n'es pas enfant de riche et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux laisser les choses comme passer. Mais pour vous, là, quand même, vous avez les moyens. Pour prendre un avocat, c'est combien? C'est rien du tout. Ils peuvent prendre un avocat. Voilà. Je vais vous prendre un exemple très bête aussi. Ces enfants aussi, ils peuvent intervenir. C'est votre maman. On n'a pas dit de venir insulter aussi, mais vous pouvez intervenir, ne serait-ce qu'une seule fois. Dis aux gens, Je prends l'exemple. La dernière fois, on a vu Éléonore Kwame qui est sortie sur Alpha Blondie ici. Elle a fait une vidéo sur Alpha Blondie. Elle a insulté Alpha Blondie comme s'il avait volé. Elle a insulté Alpha Blondie comme un poisson pourri. Mais qu'elle a fait là? Le premier fils d'Alpha Blondie là, il est sorti pour lui parler. Il est sorti, son fils qui s'appelle Ismaël. Ismaël est sorti, Ismaël à Ghana. Il est sorti pour lui parler. Il a parlé à Éléonore. Il a dit, mon père que tu traites de fou là, c'est son fou là qui m'a accouché. Il est fou à tes yeux, mais il est mon père. Donc, quand tu le blesses comme ça, tu me blesses aussi. Il a parlé avec sagesse proprement, mais Éléonore a fait preuve de combien de temps sans faire vidéo. C'est ça. C'est ce que les enfants de maman Simone devraient faire. Au moins une personne, ou bien peut-être vous trois, ou bien vous quatre ensemble, ou bien vous cinq ensemble. Notre maman t'a fait quoi? Notre maman t'a fait quoi? Faut moraliser cette fille-là. Il faut la frapper avec l'eau froide. Mais heureusement que nous autres, nous sommes là. Mais on ne peut pas fermer notre bouche comme ça, parce que nous, ils vont la tuer moralement, en fait. Vu ce qu'elle a vécu dans Côte d'Ivoire, là. Vu l'humiliation. C'est quelle humiliation elle n'a pas subi. Et puis, c'est quelle femme même là, même qui est contente quand ton mari prend deuxième femme. C'est quelle femme même là, quand ton mari t'humilie, hein? Et puis, en train de prendre deuxième femme, là. C'est comme si ton corps n'est pas doux. Tu te sens diminué. Et puis tu te sens dévalorisé. Mais qu'est-ce que mon mari n'a pas aimé chez moi et puis il est en train de prendre femme dehors? Si dans ce monde-là, c'est quelle femme qui est dans son foyer et puis son mari cherche femme dehors, ça lui plaît. Il n'y en a pas. Si Nadie Bamba même là, était à la place de maman Simone là, elle n'aurait même pas accepté même qu'on aille doter une femme derrière elle. Regarde comment elle est la voleuse de mari. Regarde ton comportement. Comment elle est la voleuse de mari. Regarde ton comportement. Moi qui ai ma chose. Et puis je suis venue prendre aussi. Tu veux prendre tout jusqu'à moi-même là. Il ne faut plus que je vais vivre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc vous voulez tuer la femme là, moralement. Vous voulez la tuer à petit feu en envoyant cet asticot là. Cet asticot là. Vous envoyez asticot pour venir l'insulter. Et puis nous, on s'assoit pour regarder. Nous, on ne s'assoit pas comme ça. Hein. Il y a des choses qu'on est en train de préparer. Et puis ça arrive. Là, même, je vais lancer appel. Il y a une chanson. Moi, j'ai composé chanson pour maman Simone.
En deux temps, trois mouvements, chanson est sortie. Inspiration est sortie. Donc, cotiser, passer une seule chanson là, pour rentrer en studio, là, c'est 500 euros. Toi, que quand cette pembèche là est sortie, là, ça t'a indigné là. Si ça t'a indigné là, sortons 20 euros, 500 euros, on va rentrer en studio. Je vais rentrer en studio et puis je vais sortir chanson de Simone Gbagbo, spéciale pour elle. Elle le mérite. Tu as des chansons. Je vais envoyer ma part. Je vais envoyer ma part. Il y a des choses qu'on a tous les préparées. Et puis bon, là, Mata même a parlé de ça tout à l'heure. Là. Nous, on n'était pas encore. Peut-être qu'on n'était pas encore nés, ou bien peut-être qu'on était nés, mais on était peut-être des gamines, en fait. Donc, il y a une tata qui m'a dit qu'à l'époque, il y a Oufo Boyen qui a vécu, et Thérèse Oufo Boyen a vécu la même situation que Maman Simone a pu vivre aujourd'hui. Là. Elle a vécu ça. Qu'à l'époque, Oufo Boyen sortait avec une Togolaise. Et la Togolaise, là, elle quittait au Togo jusqu'à venir narguer Thérèse Oufo Boyen à Abidjan. Le même comportement. Donc, les femmes d'Abidjan, là, les Ivoiriennes, là, elles se sont levées. À leur tête, c'était Aka Anguille, Hortense Aka Anguille. Toutes les femmes, là, se sont levées. Elles ont marché pour aller marcher sur Fraternité Matin. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, tout ça, là. Donc, ça a frappé Matin. Elles ont fait les interviews, les photos, elles ont manifesté. Et puis, elles ont dit qu'elles n'étaient pas contentes par rapport à ça, parce que ça salit leur première dame. Puis, c'est humiliant, c'est Donc, elles ne veulent pas ça. Et c'est comme ça que, oui, le vieux a trouvé solution de ça. Et puis, cette histoire-là a pris fin. Et maman Thérèse Oufo Boyen a vécu tranquille dans son foyer. Et voilà la même chose qui se répète. Et puis, nous, là, on va regarder. Nous, les femmes ivoiriennes, là. Nous, les jeunes dames ivoiriennes, là. Nous, les femmes qui avions vécu dans un foyer, qui connaissons la douleur de vivre avec un homme dans la maison. On connaît la douleur. On connaît la douleur. Faites des foyers, vous allez connaître la douleur de ça. Avant de venir donner le cours de leçon de mariage, pendant que toi, tu n'as même pas encore fait foyer un jour. Mais tu donnes le cours de foyer. Oui, tu te comportes comme un homme. On ne prend pas, on prend pas le titre de la politique pour marier un homme. Pendant que toi, même tes narines à fond vont. Mais vraiment, hein? Mais heureusement qu'en France, ici, en Europe, là, on ne se bat pas. Dans les grands pays, là, on ne se bat pas. Sinon, ce n'est pas à cause de problème, là. Mais avec tout mon... Faut dire, c'est parce que nous, les Ivoiriens, là, on est gentils. On ne connaît pas les histoires. Si c'était les Arabes, là, mais il y a longtemps, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y a longtemps, ils ont tordu gueule, là, ici. Mais si on se bagarrait... Oui, c'est parce que nous, là, on calcule. Si c'était les Arabes, là, mais alors ils ont fini avec elle. Avec ma forme, avec ma taille, là, j'allais me déraciner comme ça, comme un arbre, pour tomber sur elle. Surtout qu'elle même, elle est comme un asticot, là. Mais j'allais l'écraser. Ou bien? Faut arrêter ça. On se comporte pas comme ça dans la vie. Ta fin va être très tragique. Hein. De toute façon, moi, je vous ai maudit. Hein. Ceux qui écrivent, là, sur ton direct, là. Je vous ai maudit, vous toutes. Voilà. Sauf si vous n'êtes pas dans le foyer. Mais si vous êtes dans le foyer, là, c'est que Maman Simone a fini de vivre, là. Vous allez vivre ça pire que ça. Voilà. Vous avez dit sur trois générations. Non, 20. J'ai dit 20 générations pour vous. 20. Et puis, il faut que Dieu vous donne. Elle, là, Dieu, j'ai dit, Dieu n'a qu'à casser son pied, là. Dieu n'a qu'à casser pied, là. Et puis, lui donner un peu de poudre. Les autres là, je dis que vous n'avez qu'à avoir problème dans vos vies, dans vos foyers, tout ça là. Vous n'avez qu'à avoir problème. Et puis il faut que Dieu vous donne foudre. Ça veut dire que quand vous marchez, quand il pleut là, il n'a qu'à donner ça à vos enfants, vos descendants là, il n'a qu'à vous donner ça. Sauf si vous avez accouché par votre trou de cul, là vous n'avez pas de problème. Mais si vous avez accouché par votre devant là, comme toutes les femmes là, vous n'avez qu'à avoir problème. Là, on ne se comporte pas comme ça. Vous connaissez vos noms, hein. Je ne vais pas vous citer ici. Mais sinon, on a toutes les captures d'écran. Là. Moi, je suis allée sur ce direct-là. J'ai fait toutes les captures d'écran. J'ai tout gardé. C'est ça, on dit, être intelligent. C'est ça, on dit,
aimer son pays. Personne, notre pays là, on n'aimait pas la Côte d'Ivoire. Tout ça, on n'allait pas faire parce qu'on ne nous paye pas. Mais il y a Dieu qui nous paye. Mm-hmm. Dieu nous paye. Tellement que Dieu nous paye bien même. Donc on n'a même pas besoin de l'aide de quelqu'un. À cause de quoi? À cause de jetons. À cause de l'argent. Tu gâches ta vie comme ça. Abidjan là. Les gens t'attendent à Abidjan là-bas. Ceux qui m'ont écrit dans une box pour te chercher là, ils sont pleins d'aide. Je leur ai donné ta page là. Ça lui a donné le nom de sa page. Ils disent qu'on va venir à Abidjan. Tes camarades là ont commencé à partir, non? Pourquoi tu es allé à Abidjan? Ou bien, il faut atterrir à Abidjan avec ton visage là. Atterrir à Abidjan. Tu vas apprécier. Sur ce, je vais te laisser. Porte-toi bien. Puis on continue de te suivre. Bonne arrivée. Oh, commencez à penser à la chanson de Maman Simone et Yves Gbagbo. Voilà. On va chanter Simone Gbagbo. Femme intellectuelle, oui, femme courageuse, femme aimante, c'est notre maman. Mm-hmm. On va la chanter et on va occuper la toile. Non, oui, laissez tout ça là, mais concentrez-vous sur la Côte d'Ivoire. On se concentre sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui. Mais quand on fait le travail là, qui sont ceux qui gâchent le travail là? C'est les mêmes là. Les Gbagbo a dit là. C'est leur club. C'est qui gâche le travail. Ou bien, ce dans quoi on est là, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, là, ils ont cassé. Ma jumelle, je dis, eux, ils pensent qu'ils gâtent. Mais ceux qui sont en exil, là, le jour où ils rentrent, et puis eux, ils vont venir pour de vrai. Donc, Dieu continue de dévoiler. Vous, les nageurs, Dieu continue de vous montrer. Dieu n'a pas fini de trier, en fait, les choses. Voilà. Donc, le sale boulot qu'on t'a donné, tu as fini de faire, là. Le sale boulot, là, ça, là. Le boulot que tu fais, là. La dernière fois, j'ai expliqué pièce par pièce sur ma vidéo. Je ne vais pas me l'expliquer ici parce que je ne vais pas monopoliser la parole pour que les autres puissent au moins s'exprimer aussi. Mais tu fais du sale boulot, ma chérie. Tu t'es calmée un peu maintenant. Tu t'es calmée. Ou bien on t'a appelé. On t'a appelé. Non, les filles de Saïwa disent, tu n'as pas vu leur vidéo là. Ah non, je vais voir tout à l'heure. Elles ont dit, dans leur vidéo, elles disent, il y a un certain Kone qui dit, elles n'ont qu'à juste dire, si elles connaissent, Kone. Si elles attendent Kone, Kone, elles n'ont qu'à dire Kone seulement. Kone dit, vous arrêtez de parler. États-Unis. On connaît d'hier quand c'était. La personne m'a appelé de la Géorgie. La personne me dit, tu veux faire une vidéo aujourd'hui ou bien tu ne veux pas une vidéo? Je dis, je ne fais pas une vidéo. Elle me dit, oh. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, j'ai une information à te donner sur Alex Baté. Je dis, en gros. Bon, je vais faire une vidéo. Vas-y, dis-moi. La comme ça. Hey. Donc, quand tu penses que tu es caché, comme tu n'es pas caché, tes bêtises tu fais dans le monde là. Tes bêtises tu fais là. Tout est dans la main des gens. Mais quand la personne me sautait tout simplement, j'ai dit, ma bouche était ouverte. J'ai dit, ouais, c'est ça là qui parle de Maman Simone là. Simone, toi tu es un exemple, toi, tailleuse de pipe dans maquis là. Attends, il faut écouter. Voilà. Il dit, quand j'appelle, je dis, il y a qu'à dire, est-ce que tu connais monsieur Volé? Monsieur Volé. Monsieur Volé. Monsieur Volé. Qu'est-ce qu'elle a dit la même? On n'est pas quoi la même là. C'est que si elle a dit un mot là, que c'est des filles qui ne valent pas la peine, elles ne sont pas dans le vrai combat. Comme toi, tu es dans le vrai combat. Toi, dans ton combat de merconnerie là. Donc, c'est juste
on va dire O, on dit A. Monsieur Bolé, on est dit. Faut fermer. Moi, voilà, ma lèvre, on dirait. Mais tu connais dit, ah, ferme-la un peu. Oh. Comme toi, il y a tous les papos des gens à Paris, il y a tout la vie de tout le monde à Paris. Monsieur connais dit, faut fermer ta bouche. Oh. Mais moi-même, c'était pas une vidéo, non. On m'envoie ça, on m'envoie ta vidéo. Hein. Ta vidéo, c'est ça, le type, là. Je n'appelle personne, mais on dit qu'on est à... On le dit. À l'aide de Satan, la carte de ses Simone, il fait pas pour tranquille. Connais. Mais je le dis. À l'aide de Satan, la carte de ses Simone, il fait pas pour tranquille. C'est pas Simone Gbagbo. Il n'y a pas autre commission derrière. C'est monsieur qu'on a dit seulement. Je remercie mon artiste préféré, Sonaki. Sonaki, merci à toi. Je remercie cette brave femme qui s'est fait voir. Les enfants des gens. Annette Kouregui. Annette Kouregui, c'est vrai. Elle est fatiguée. Annette, je savais qu'en deux jours, elle est devenue noire comme ça. Où est-ce la noisette? Elle l'a maigri comme ça. Elle ne peut pas parler avec un monde. Tu ne peux pas parler avec un monde. Un monde. Des femmes de la France. Mais si on connaît. Elles sont dit trop, c'est trop. Ça fait 2 ans que ça dure. Ah, toi qui rentres des missions. Tu as signé un bâton. Tu as signé. Famille, vous savez qui va commenter dans le direct de Alette Saté? C'est que des gens de RDS seulement. Aujourd'hui, là, on a vu clair. J'ai vu clair. Yachine, bonsoir. Bonsoir. Qui sont en bas de son direct en train de la féliciter. J'ai dit. Comment il s'appelle? Yves Teco. De quoi Yves? Nous, depuis là, quand tu faisais tes directs, depuis tu as dit que cette fille-là, elle était RDR. Ah, les gens ne te comprenaient pas. Oh. Aujourd'hui, là, nous t'avons compris. Yeah. Après, on a compris. Monsieur Conné dit. J'ai vu cet après-midi, en bas de son direct, accepté que les RDR seulement, ou les Ouattara seulement. Oui, vas-y, les Ouattara seulement, ils sont restés là-bas. À l'aide. Donc, tu nous as trahis dans le combat. Tu nous as
as trahi. Toi, tu nous as fait croire que tu es la fille de le président Laurent Gbagbo, car tu es RTL. Donc, famille, j'ai mis la musique à mon direct, c'est pas pour durer. Hein. J'ai mis la musique là, c'est pour danser. Et pour vous dire que, à l'aide dit, elle vous demande pardon. Qu'elle rentre l'émission, qu'elle va plus insulter la première dame Simone et Yves Gbagbo. Qu'elle ne savait pas que les Ivoiriens allaient sortir comme ça. Maintenant, dernière vidéo, même, tu peux la tuer là. Naomi, vais-tu aider là? En tout cas, ça a pris les intestins d'Alette Saté. Ça a pris même les intestins d'Alette Saté. Elle voulait dire, d'après elle-même, elle veut déciencer, elle veut couler Naomi, vais-tu aider, mais elle ne fait pas sa bouche à sécher comme ça. Oh, bien, ça vient. Bien, pour dire à nos camarades. Monsieur Connet dit,
connais pas. Ah, c'est pas, hein? Mais je connais qui, la fille de Saïwa. De poser-lui la question. Ah, demandez-lui, est-ce que tu connais monsieur Poné? Donc, Fanny, moi j'étais là-haut. Ah, voilà, hein. J'ai quitté au ciel là-bas comme ça, c'est tombé. On m'a appelé, on dit Poné, Poné dit. J'ai qu'à te poser une petite question. La grande sœur. Mado, bonsoir. Nathalie Mado, merci pour la vidéo. Il dit, je t'ai appuyé dessus. Hein. Est-ce que tu connais monsieur Poné? Voilà. Comme toi, tu as un dossier de tout le monde à Paris. Nous, on n'a pas tes dossiers. On ne peut rien te dire parce qu'on ne prend pas des renseignements. Je n'appelle personne pour savoir qui tu es. Parce que ta personne ne m'intéresse pas. J'étais là. Monsieur Poné dit. Est-ce que tu le connais? Oui ou non? Fanny, je vous mets salut pour. Regardez là, visage. Monsieur Poné dit. Je remercie la comédienne. La comédienne, l'artiste internationale. Et chose d'homme. Oh, c'est Léonore. Bonne famille. Monsieur Poné dit. Alain Zatin s'appelle Monsieur Poné dit. Monsieur Poné dit. Ah, ma grande sœur, Nathalie Mado, bonsoir, bonsoir ma grande. Monsieur Poné dit, merci pour la commission, les filles de Saïwa, merci beaucoup. Merci, nous tous on va faire une vidéo, on va dire Monsieur Poné dit. Ah. On ne dit pas ce que M. Poné dit, hein, mais on dit M. Poné dit seulement. Et puis la commission s'en va. On ne parle pas beaucoup. On dit M. Poné dit. Le prochain CD là, votre prochain CD là, mettez M. Poné dit. La fille là va me tuer. Dans la famille, vraiment, je ne peux plus continuer. Ça fait trop rire, M. Poné dit. Ma belle victoire. M. Poné est un champion. Ma belle victoire va me tuer. C'est vrai qu'il y a un dossier de tout le monde. Là, là on dit, on ne parle pas beaucoup. On dit, monsieur Poné dit seulement. Elle dit, elle ne fait plus vidéo. Monsieur Poné n'a pas encore parlé. Mais elle dit, elle ne fait plus vidéo. Monsieur Poné dit. Oui, je vais bien, ma grande sœur Nathalie Mado, la fille de Saïwa. En tout cas, merci pour la commission. Monsieur Poné ne parle pas beaucoup. La fille de Saïwa, il y a un monsieur, il s'appelle Poné. Il a fait la commission à l'aide. Monsieur Poné dit seulement. Alors, il ne fait plus vidéo. Il y a des connes la même été où depuis là. Connes est été où. Et puis on souffre. Notre main souffre depuis là. Et les filles la même été. Si ça me parle. Je suis 24. Je suis pas mon portable. Il faut parler de plein bouteille.
pour parler de je ne peux plus parler, je peux rire seulement. J'ai eu deux filles là. Moi, je continue mon combat. Deux filles, j'ai commencé mon combat là. J'ai deux filles, trois filles. Mais je suis découragée. Je ne me décourage pas, c'est tout. Je suis conditionnée. Aïe, il y a des possibilités. Ils ne veulent pas qu'on là, ils vont nous trancher la gorge. C'est ça, c'est ça qu'on parle. Voilà. Donc, arrête de s'attendre. J'ai un message pour toi. Monsieur Poné. Ah, je ne sais pas si tu peux te rappeler, hein, Monsieur Poné. Il faut arrêter, Monsieur Poné. Voilà. Il dit, quand j'appelle, je dis, et t'as dit, est-ce que tu connais Monsieur Poné? Monsieur Poné. Poné, non, Poné. Monsieur Poné. Monsieur Poné dit, il faut arrêter. Comme toi, tu as pris la décision de ne plus faire des vidéos parce que nous, on n'évade pas la peine. On est. Ma belle Victoire, pardon. C'est que c'est la tienne, voilà. Que c'est des filles qui n'évadent pas la peine. Elles ne sont pas dans le vrai combat. Comme toi, tu es dans le vrai combat. Toi, dans ton combat de merconnerie, là, ça, c'est le vrai combat. Donc, c'est juste pour te dire, Monsieur Poney. Est-ce que tu te rappelles Monsieur Poné qui te donne le droit de parler. On va dire oh, on dit ah. Monsieur Poné, Poné dit ah. Faut fermer ta clapette un peu. Moi, voilà ma grande un peu. Allez te santé. Tu connais Monsieur Poné? Monsieur Poné dit ah. Ferme-la un peu oh. Il y a tous les papas des gens à Paris ici. Il y a tout la vie de tout le monde à main ici. Monsieur Poné dit, faut fermer ta bouche. Oh. Faut aller changer les lunettes là aussi. Non, famille. Moi, je n'appelle pas. Moi, je sais que je suis vilaine. Vous me voyez, non? Je suis vilaine. Moi, je n'appelle personne. Mais on dit Poné. Poné dit. À l'aide de sa tête, la canne était Simone et il fait papa tranquille. Monsieur Poné dit, à l'aide de sa tête, la canne était Simone et il fait papa tranquille. C'est voilà le message. Hein. Il n'y a rien derrière. On a quand même Poné. Poné, il dit. Ah, yeah. Monsieur Poné, pas. Monsieur Poné dit, la fille de Saïwa. Posez-lui la question. Ah, demandez-lui, est-ce que tu connais Monsieur Poné? Donc, Fanny, moi j'étais là-haut. Ah, voilà, hein, c'est quitté au ciel là-bas, comme ça disait. On dit Poné, Poné dit. J'ai qu'à te poser une petite question. Tu connais, est-ce que tu connais Monsieur Poné? Oui, Monsieur Poné. Il dit, j'ai qu'à appuyer dessus. Hein. Est-ce que tu connais Monsieur Poné? Voilà. Comme toi, tu as le dossier de tout le monde à Paris. Nous, on n'a pas tes dossiers. Ah. Nous, là, on ne peut rien te dire parce qu'on prend des renseignements. Je n'appelle personne pour savoir qui tu es parce que ta personne ne m'intéresse pas. Mais j'étais là. Monsieur Poné dit, j'ai qu'à te dire. Est-ce que tu le connais, oui ou non? Famille, je vous mets salut, pour puis j'arrête le direct. Donc, je remercie les parties de la Côte d'Ivoire. Voilà, chacun doit faire un poste, Monsieur Koné dit. Peut-être qu'elle n'a pas vu pour les filles de Saïwa. Elle n'a pas vu pour les filles de Saïwa. Donc, nous, on va faire la commission aussi, Monsieur Koné dit. Yo, ouais. Monsieur Poné, merci. Tu es venu en retard, mais merci quand même. Donc, famille, je m'arrête là pour ce soir. Yachine, pardonnez. Elle m'a arrêté. Il faut qu'elle m'arrête. Mais elle a la hérite de faire quelque chose sur moi. Monsieur Poné dit, le prochain CD là, Monsieur Poné dit, allez-y, Monsieur Poné dit,
beaucoup.